Allô? Quand je vais gratter ma main, je vais gratter mes vitres. Allô, excusez-moi, j'enlève la glace sur, je dégivre mes vitres, je déglace mes vitres. Oh là là, bonjour, 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 comment vous allez, est-ce que c'est facile? Non, il fait froid, attendez, je mets le chauffage, j'ai dit que, ça a chaud, ça a lavé, séché, rincé, ça financé, avec le mounia, il y a dit, ouais, mais qui va encore nourrir ça, oh? Ngosa a lavé, séché, rincé. M.E. On ne prononce pas son nom. Et comment elle s'appelle? Et la voisine Anne. Anne la voisine. Weke. Ngrenga a lavé, séché. Maman, il fait froid. Eh, il fait froid au nom de Dieu. Il fait froid. Oh, maman, quelqu'un a envie de rester dans le lit. Qu'elle me lève le matin comme ça, dit que ouais, c'est le travail de quoi, eh? Je joue au loto, eh? Je vous manque pas. Je joue au loto, moi, chaque semaine, un peu. Le jour que je gagne, je travaille plus. Je vous dis derrière ça. Si je gagne un montant là, même pas tous les gros cagnottes, les grosses cagnottes, eh? Non. Un montant façon, eh? On fait que m'appeler. Je gagne le loto là. Ah, mof, moi, je ne vois plus. Je ne travaille plus, c'est pas le piment, hein, gospel. Travail, c'est pas le piment. Voilà. Tu dis toujours, allez travailler, sortez tes mouches, tes cachiens, tes gambettes, tes cacottes. Dis toujours, allez travailler, comme si toi tu travailles. Puisque tu es venu trahir là où, comment elle s'appelle? Là où ta financière travaille avec comment elle s'appelle aussi l'autre là? Avec Anne, ta copine. Ta voisine copine. Oui, tu as dit qu'elles travaillent ensemble, elles tournent ensemble. Toi, tu tournes de quel côté? Toi, tu as dit qu'on va t'amener là où il y a le piment de tel. Moi, tu n'as même pas honte de continuer à trahir tes collègues de travail. 50 balais, palmarès, mon gars. Tu me prends, mon gars, tu es le point et toi. Tu me prends, mon gars, tu es le point et toi. Moi, j'ai aucun point et personne.
Mais si tu me prends mon gars, j'ai un problème avec toi. Vous connaissez comment moi je fais les problèmes. Va répondre à Mémé. Cherche Mémé dans Paris si tu es femme. Réponds à Mémé si tu es une femme. Debout tel itam. Voilà. Vous vendez ton Dieu. Si tu es une femme debout tel itam, vous vendez ton Dieu. C'est pour froisser, froisser. Ça dit que 5 ans, 5 millions de personnes, il y a ton nom. Tu peux compter? Non. J'ai dit que si tu es femme, ou réponds de Mémé. Vous me connaissez, non? Qu'elle fait ça, mes problèmes. Ni encore c'est Ngoï. Hein? Ni encore c'est Ngoï. Parce qu'elle te regarde, j'ai pitié de toi. Mieux c'est Ngoï. Ngoï a bien fait pour fermer ta bouche. Elle t'a pris la mythe. Ngoï, tu es rusé. Ngoï connaît le blog. Vous comprenez? Ngoï, c'est l'expert en matière. Elle connaît le blog. Donc elle t'a pris la mienne à laisser ta bouche fermée. Elle voulait prendre aussi Lolo la puissance. La Puccina. Lolo a dit jamais. Qui? Moi, elle sait. Même quand elle veut calmer un peu avec moi, Ngoï, là, elle sait qu'elle ne peut pas me téléphoner. Je ne suis pas dans les pépettes. Elle téléphone, je dirige son appel chez les autorités compétentes. Je suis une boule. Elle m'appelle pour aller où? Une fille qui a commandité ma ça dit qu'une fille qui a commandité ma femme sur terre, mon frère. Parlez de quoi? Elle appelle quoi sur moi? Elle vous dit qu'elle cherche des amis. Elle ne peut pas m'appeler. Mais elle a bien fait, Ngoï. Tu as bien fait de mettre, c'est-à-dire non chupengrenga yap kakaro, non soui kakaro, étouffé. Tu as étouffé grenga avec ces tekachiens. Je ne sais pas si son tekachien qui passe son temps à m'insulter souvent là. Kabouja Christian de Kelo, j'espère qu'il voit tout ça. La paix. Oui, on a un gros mousse, yap kakaro, mentomi. Elle attend seulement 100 euros. Merci beaucoup, maman. Ma copine pas travaille à l'étranger. C'est le travail de quoi qu'elle fait à l'étranger. Une femme terriblement, ça dit que terriblement, 50 balais, terriblement pointé. Qui s'en palmarès, c'est j'ai mon gars, Dieu qu'on avait 20 ans. Mon gars, si tu touches mon gars, tu vas me voir, mon gars. Puisqu'il me donne l'ultimatum, tu ne peux pas lancer la jasse matrimoniale, il faut que tu nous montres. C'est vous que j'attends comme client. Les jeunes bois et les prostimbettes ne peuvent pas être mes clients. Moi, je veux des femmes intègres. Des femmes qui savent où elles vont. Des femmes qui ont une vie, un avenir à bâtir. Je ne suis pas des femmes qui bâtissent sur du sable. Nous, on bâtit sur du solide, du roc. Voilà. Tu ne peux pas lancer ça. Il faut que tu ne manques d'abord. Vous êtes qui? C'est vous qui allez couper le ruban d'ouverture de l'agence matrimoniale de la reine. Je suis bon. Bon, voleuse de mari, bon, tapineuse dans toutes les villes, mais tu ne vas pas lancer. Je vous gère. Préfète vite un boum qu'elle a traversé de chez son rebeu, qu'elle a là-bas, en Sicile, là-bas. Là. Et elle vient vous trouver. Pourquoi vous la mettez aussi dans une maison? Elle commence à walk. Tu vas faire 3000 euros la semaine. Tu vas faire 2000 euros la semaine. Dans 20 ans, il y a 20 ans, 20 ans. Ça dit qu'arrête à ce que ce ne soit voulu. Bouillard, joue, tu n'y fais pas. C'est ça. Ouais, je suis pas sûr. Franchement, voilà quoi. Mon palmarès, j'ai 50 ans, je m'appelle Gaspet. Je suis mariée pour les Kaolo à un monsieur qui ne me gère pas. Il m'a donné sa fille, j'ai élevé, même il y a un grand terrain dans Paris. Et maintenant, j'attends toujours à chaque fois il me renouvelle. Je n'arrive pas à avoir la citoyenneté, je ne sais pas pourquoi. Avec 10 ans, tu peux appliquer la citoyenneté, Gaspet. 20 ans, 22 ans, tu n'es pas encore passé du côté de la citoyenneté. Mais franchement, Gaspet. Mais franchement, et puis tu viens oser parler à ME. La pourvoyeuse, c'est-à-dire que celle la payeuse d'argent, celle qui te nourrit, hein? Tu oses la mettre, c'est-à-dire que tu oses parler, tu oses l'agresser. ME, la pourvoyeuse, celle qui paye à la caisse. Ou pas ailleurs. Avec Anne, la voisine, qui me dit non, qui travaille avec NE. Mais ça te regarde en quoi? Toi, il faut aussi travailler avec Ngoï. Ngoï ne peut pas t'amener. Parce que premièrement, tu as le petit Congo, c'est-à-dire que toutes les chirurgies ont fait Ngoï et tout un djum. Il y a tous les partis qu'on se questionne. Elle doit me repartir en Turquie, les dos sont où? Où est la Djaramba? Donc toi, tu ne peux pas être avec Ngoï pour que vous mangez, vous prenez les micros ensemble. Mais yop nos micros ensemble. Parle à qui? Donc tu te lèves, tu dis que pour que je lance l'argent, je dois manger mon chéri, le sang de ma veine, celui qui a mis mon numéro en haut, qui m'a marié, mairie, église d'autres. Vous êtes malade, vous fumez quoi? Vous allez voir ça sous vos yeux ici. C'est-à-dire qu'il y aura l'agence matrimoniale de la femme terriblement mariée, terriblement à couple, qui compte le demeurer et qui y travaille. Vous allez voir ça sous vos yeux ici. Une fille palmarès 50 ans,
J'ai mon gars. J'ai mon gars. Si tu touches mon gars, tu vas me sentir mon gars. Je suis un choupmi là. Moi, j'ai aucun problème avec les gens. Hein. Mais si tu touches mon gars, je suis où là? Je suis une jeune mère. À l'âge, si c'est les priscalines, les petits enfants, non? Ouais, bah oui, dis. Boum, kena. Avec ba lion, batig, ba petit, ba, me retiens à lion, me retiens à petit chat. Chaton. Chaton, hein, Cameroun, dans Alençon. Celle qui vend les vagnes en beau, puis le chaton, là. C'est les gens comme ça qui doivent dire mon gars, tes enfants. Tu veux faire mon gars. À quel âge? Tu dois même te cacher. À 50 balais, tu es assise dans un foyer, madame. Bien assise. Ça dit que terriblement marié comme moi, je suis là. Maman, tu as vu l'homme. Tu as même vu le man. Maman, il est debout comme il. Oh là là, quel gars mon mari comme ça, j'ai les frissons. Je peux faire un gars me dire, je dois mettre la photo avant d'ouvrir. Jusqu'à ils se mettent ensemble avec le chaton qui vend les vagnes en Mopila. Elles se mettent ensemble pour parler. Je suis bon, vous avez manqué, vous avez raté votre vocation. Vous devez travailler dans l'entreprise de Lucifer. Qui est votre ngoy? Je suis employé sans salaire. Dieu. Je suis la seule qui n'a pas de team. Je sors quand je veux, j'entre quand je veux, parle ce que je veux. Ça ne chauffe pas. Vous avez compris? Donc, je dis que je sors quand je veux, j'entre quand je veux, parle ce que je veux. Vous n'avez plus rien à me faire. Je n'ai pas peur de vous. Je vous mets au pas. Dans le français, dans le français, j'ai le bangantais, j'ai même l'anglais fonctionnel. Vous quittez là-bas. En plus, je suis encore à l'université, mais pas à l'école, non. C'est comment? Alphabétisation. Un petit jour, elle se met debout que, oui, vraiment, il y a un boum kena. Quand elle s'assoit, elle voit un sujet, elle décrypte, c'est toi qui lui donnes le chantier. Tu lui donnes le chantier quand on ne connaît pas. Hier, la Tana a mis ça au grand jour, avec ma fille, bien sûr. Oh, ma fille Coco, je ne t'ai pas appelé depuis mon bébé. Je t'aime, mon bébé. Je t'ai pas appelé mon bébé Coco. Oh là là, il faut que j'appelle ma fille à ma pause. Dès que j'ai une pause là, tout à l'heure j'aurai une pause, je pense. Voilà, je vais appeler ma fille. Voilà, c'est ça. C'est ma fille, voilà. Je ne choisis pas, voilà. Comme j'avais choisi d'élever une putanasse, voilà. J'ai décidé d'inviter une putanasse avec mon mari, avec son aval. C'est ça que vous ne pouvez rien. On a choisi ensemble, on a dit ok, dans nos événements, on va inviter cette putanasse. Pour l'élever parce qu'elle veut sortir du piment. Comment que n'allons-nous pas faire pour sortir ces vieilles chouettes de leur travail, de leur engrenage. De leur engrenage pimentique. Pour soin-soc, vantons que il y a comme. Achon, il y a comme. Achon, même vie lamelle. Même pas 2 cm de lamelle. Ça, nous avons vantons que il y a. Où est-ce que nous parlons? Ngoï peut te prendre au pépé, collègue. Ngoï voyage, Ngoï tu connais. Sur l'autre, sinon, Ngoï, palme d'or, je te donne ça. Je te dis, je te donne ça. Mon ennemi bien-aimé, je te donne ça, Ngoï, palme d'or. Sur l'autre, si chéri Coco. L'autre, sinon, il t'appelle même chéri Coco, c'est ça. On a Ngoï, m'endormi. Donc, tu as fermé son cou. Tu as mis dans les selles, elle ne tousse plus. Elle a fleur, ma copine, ma copine, tout. Tes vrais amis, même c'est eux que tu es en train de tirer là. Anne, la voisine, est ta meilleure copine que Ngoï. Ce que Anne pouvait penser et faire pour toi, Ngoï ne peut pas. Ce que M.E., la pourvoyeuse, la financière, patentée, pouvait faire pour toi, Ngoï ne peut pas. Il te dit ça. Tellement bête. Pense, c'est-à-dire que ton cerveau est noyé. Ngoï, qu'est-ce que tu as fait en gospel comme ça? Tu as fini avec elle. Ngoï a pris un hospital, elle a mis dans le vase. Le vase culminant, on m'a dit. Ndori, il n'y a plus moyen. Ngoï ne respire plus. Un hospital ne respire plus. Les TK chiens ne voient rien. Même les TK, des fois, ne sont pas d'accord. Ils vont être d'accord avec les conneries que tu fais comment? C'est normal qu'ils ne sont pas d'accord. Un Christian de Monaco, tu n'as même pas honte. Tu ne peux pas sortir. Ta patronne a des conneries. C'est pour ça que je n'aime pas, moi, les histoires des teams. Parce que quand ça ne va pas. Comment prononcer le nom des enfants des gens? J'ai envoyé aucun enfant péché pour moi. Je vous réponds propre, ça ne chauffe pas. Je vous regarde propre, et après je continue ma route. Ça ne chauffe pas. Je suis d'aucune team. Je dis ni ténèbres, ni lumière, ni quoi la Poutine. Vous dites quoi là? Russie, Boubacolo. Une place depuis la nuit des temps. Je ne compte sur personne. Ça ne chauffe pas. Voilà. Je suis sympathisant à certaines personnes. J'aime Tata Lolo. Voilà. Point final. Je l'aime comme ça. Ça a donné que c'est comme ça. Voilà. Mais je ne suis pas dans sur Russie, ténèbres, lumière. Une place
m'assois sur Ngoï quand il veut, m'assois sur Ngoï quand il veut, je regarde quand il veut. Et pas besoin de demander l'aval de qui que ce soit pour ouvrir ma connexion. Vous êtes sérieux? Déjà que ça prend pas, c'est pas évident de se connecter. Voilà, c'est pas évident. Voilà, parce que j'ai trop de choses à faire. Voilà, et quand je peux, ben j'ouvre ma caméra et je parle. Attends, une oratrice, mon frère, une femme qui a le speech, elle parle sans lire sur les papiers, elle ne fait que parler. C'est comment elle vous? Vous allez me museler? Bien, alors, choix, mais vous n'êtes pas né, chérie. Vous n'êtes pas né. Oh là là, vous n'êtes pas né là. Vous n'êtes pas né. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. La maman. La maman, oh, la maman. Merci. La maman, la maman. La maman. La tétaniseuse. C'est elle qui me met au pas. La vieille chouette de Ngoï et sa copine Gospel. Je suis sur vous. Balata. Vous allez faire quoi? Oh non, et moulema ouin la vie en cage. Bébé, pour toi je vais mourir en cage. Chérie. Oh non, et moulema moi mis la vie en cage. Bébé, pour toi je vais mourir en cage. Chérie, non, et moulema moi la vie en cage. Bébé, pour toi je vais mourir en cage. On va pas ramasser la neige ici, franchement. Bon. On va serrer la voiture sur le bord. On va ramasser seulement demain. Ya, yeah. C'est qualité. On ne peut pas prioriser les employés qui vont garder leur voiture. Pourquoi je veux mourir? Je n'ai pas voulu m'amener la vie. Voilà. Je le mets ici. Bien garé. Je vous aime comme le poème La Saleté à Foucault. Attendez. Je regarde un peu les commentaires. J'ai oublié mes lunettes. Oh mon Dieu. J'ai oublié mes lunettes de lecture. J'ai tellement de lectures à faire au travail, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me battre. Oh. Coucou ma reine. Oh mon bébé Coco. Mon bébé. Je te salue mon bébé. Mon bébé. Mon bébé Coco, 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 mon bébé. Oh là là, ma fille. Ma fille était demandée tantôt. Tu vas bien? Salut mes enfants là-bas. Je t'appelle le soir. À ma pause, peut-être aussi. Je vais voir mon bébé. Coucou, ma vaisselle. C'est la magie comme ça. C'est la neige comme ça. Oui, oui, oui. Et la neige ne blague. Parce que vous montez ici, là, c'est la magie. C'est pas... Bon courage. Merci beaucoup. Tu grattes la glace comme ça, mais fais sur barbecue. Ouais, ouais, la glace, partout. C'est la magie. Je gratte le feu sort. Tes doigts ont taxe sur le foie du Canada. Ouais, j'ai dit qu'elle regarde mes doigts. Regarde. J'ai pas mis les mitaines ce matin, il fait froid. Fou le camp. Qui va encore nous ingo ça? Quel est Dieu, tu? Ah, 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 ah. Ouais, c'est comment tu peux me dire fou le camp? Il faut être poli avec la reine bébé. Parce qu'elle bloque, elle sait pas comment on débloque. Bonjour, Happy Girl. Ange que tiens. Ouais, mon bébé, ma Black Beauty. Oh, je t'aime, ma sista. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, la seule qui n'est pas dans une team, c'est moi. Je suis parti à aucun groupe. Voilà. Je parle, à fait qu'on dit que le patron a parlé, le ceci est monté. Eh oui. On doit aussi une troupe à jouer à Yonche. Voilà. C'est qui voulait entrer là? Non, je ne peux pas te prendre. Moi, il est fini là. Moi, il n'est pas travaillé. Je vous partage ce poste. Eh, pardon, si vous insultez la machin, je ne suis pas là. Je supprime ton poste de les Lady Ponce, les Ceci, les Cela. Moi, je ne suis pas là. Ok? Supprimer. Comment on fait ça? Je supprime. Moi, je ne suis pas là, les injures, les stars. C'est nous qui connent. Moi, je ne suis pas dedans. Mes côtes. Happy Girl, rire seulement. Voilà. Je vous aime beaucoup. Hein. Je vous aime beaucoup. Sylvie, bonjour, ma chérie Sylvie. Non, non, quand je vois un gospel qui embrouille, là, c'est ça qui m'énerve. Lui, elle est dans la merde. Elle aura faim, hein, Sylvie, hein? Tu en sais quelque chose, tu es aussi une pourvoyeuse, une financière. Oui, Inès, je te salue. Ouais, bah moi, je vous aime, hein. Passez une bonne journée. La personne qui écrit les choses sur les 10 penses, là, je t'ai supprimé. C'est quoi, et toi? Bye bye, je vous aime. Bye bye.